Donc effectivement, on peut politiser les résultats de la recherche, pas forcément qu'avec une grille marxiste, on peut aussi les analyser avec une grille féministe, on peut aussi les analyser avec une grille postcoloniale. Quand on dit un motif dans un tissu, c'est quelque chose qui se répète, mais motif, ça veut aussi dire motivation. Des motifs vus dans l'environnement peuvent aussi motiver l'action. Le gilet jaune, c'était une invention particulièrement intéressante de ce point de vue-là, parce que finalement, ça rendait visible une motivation dans l'espace public et sur les ronds-points. On est très encouragé dans une attitude consumériste et l'investissement pour le collectif, il n'est pas spontané partout. En fait, cette perspective un peu apocalyptique, elle est quand même là. Or, qu'est-ce qui fait qu'on croit encore que c'est intéressant d'accumuler et qu'on va pouvoir s'en sortir si on accumule ? L'invitée d'aujourd'hui s'appelle Gabrielle Boulot. Elle est ingénieure hydraulicienne et politiste et s'est spécialisée dans les politiques environnementales de l'eau. Dans sa conférence, elle commencera par démontrer la non-neutralité de la science en abordant la notion de connaissance située, puis elle expliquera comment ce que nous percevons du réel peut motiver ou non l'action, et notamment comment les motifs de science déclenchent ou non les motivations politiques et les actions publiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par connaissance située ? En fait, quand on m'a demandé d'intervenir, on m'a demandé de parler sur la non-neutralité de la science. Et donc, c'est une autre façon de dire que la science, c'est pas neutre. Mais justement, le mot situé, il est assez intéressant. Donc, il y a ce travail qui a été assez célèbre de Robert Rosenthal, qui est un professeur dans une université américaine, qui a demandé à ses étudiants de faire des épreuves à des rats, mais que c'était pas n'importe quel rat. C'était des rats qui étaient basés sur leur aptitude au test du labyrinthe. Et dans le même temps, à une autre partie de ses élèves, il leur demande de faire passer le test du rat à des rats normaux. Et en fait, il va y avoir des résultats de performance qui sont vraiment très différents dans les deux groupes, alors qu'en fait, ce sont les mêmes rats. Et donc, on commence à penser que l'observateur et même son empathie vis-à-vis de son objet peut amener des biais. Et en fait, dans la lignée de ces travaux-là, il y a énormément de travaux d'éthologie, donc de la façon dont les observatoires d'animaux modifient profondément les observations qu'ils font en fonction de la perspective qu'ils adoptent. Donc, je ne les ai pas tous mis là, mais il y a des travaux sur les primates qui montrent que c'est genré, les biais qu'on a quand on est un homme ou quand on est une femme, ou en tout cas quand on a été éduqué comme un homme ou éduqué comme une femme, on ne voit pas la même conflictualité dans ces espèces. Il y a des travaux aussi sur les oiseaux, par exemple, où quand on regarde un oiseau uniquement en pensant à l'espèce à laquelle il appartient, donc en le catégorisant comme un membre d'une espèce, on voit pas la même chose que si on les bague avec des couleurs différentes et que du coup on arrive à repérer des individus et on voit que y a des personnalités en fait chez les oiseaux. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travaux qui montraient que on pouvait avoir une perspective différente tout en essayant d'avoir une observation assez objective. Et il y a eu aussi des travaux sur cette science ou sur ces manières de faire situer qui disent que c'est aussi très dépendant des catégories qu'on utilise. D'ailleurs, mon dernier exemple sur les oiseaux, vous voyez bien que soit on a la catégorie espèce, soit on a la catégorie individu, et on voit pas la même chose avec ces catégories. Mais l'exemple classique, c'est les travaux de Desrosières et Thévenot sur les catégories socioprofessionnelles et comment la catégorie cadre a été vraiment négocié parce qu'en fait, à partir du moment où on a une catégorie qui décrit une partie de la population, la population elle-même qui va être catégorisée comme ça, elle se laisse pas faire, quoi. Et donc, ça va avoir plein d'effets sociaux et en fait, on peut pas distinguer l'effet et la description. Et dans les travaux que j'ai menés avec un collègue sur... alors lui travaillait plutôt sur la forêt et moi plutôt sur l'eau et on regardait les indicateurs qui ont été développés, les indicateurs écologiques qui ont été développés dans les deux milieux, on se rend compte aussi que il y a beaucoup de conventions dans la façon de mesurer et d'observer qui sont des ajustements entre à la fois des choses qu'on voit vraiment, évidemment, mais dans la manière de les grouper, dans la manière de les sélectionner, eh bien, il y a une partie des déterminants qui sont sociaux et qui, fabriquent une connaissance qui est située, c'est-à-dire qui garde la marque de la personne
qui l'a construite, des personnes qui l'ont construite, et de l'espace qu'elles occupaient, ces personnes, dans la société, et donc de la façon dont elles avaient été formées, de la façon dont elles avaient été éduquées, voilà. Et puis après, vous avez alors quelque chose qui est un pan de recherche qui est un peu le là où s'inscrit le LISIS dans lequel je travaille, qui est l'étude des sciences et des technologies, dans lesquelles, bon, évidemment, vous connaissez probablement les travaux de Calon, Latour sur l'enrôlement, le fait que quand on fait de la recherche et de l'innovation, eh bien, il va falloir non seulement convaincre les financeurs, par exemple, convaincre les personnes qui mettent à disposition des protocoles d'expérimentation ou des matériels d'expérimentation, mais même quand on va travailler sur le vivant, il va falloir, d'une certaine façon, enrôler le vivant. Et donc, l'exemple classique de Calon sur les coquilles Saint-Jacques, c'est que, en travaillant sur les larves de coquilles Saint-Jacques, un innovateur qui cherche à pouvoir développer en fait l'aquaculture ou la conchyliculture de coquille Saint-Jacques a vraiment besoin à un moment que la larve se fixe, parce que dans son cycle elle se fixe à un moment donné, et il va falloir pouvoir contrôler cette fixation. Et bah le vivant est plus ou moins domesticable de ce point de vue là, et il y a des expérimentateurs qui vont réussir à enrôler le vivant dans leur protocole et puis d'autres qui vont pas réussir. Et du coup, le travail de Calon, c'est de montrer que le travail scientifique et technique, il se fait pas tout seul, et il y a besoin de négocier. Et d'une certaine façon, les personnes qui arrivent bien, c'est les personnes qui arrivent à obliger les gens à passer par là où ils ont envie qu'ils passent. Et les innovations qui vont être créées à cette occasion vont encore garder le signe de ce passage-là. Et ça va encore être des choses qui ont été marquées par la situation de fabrication. Et puis, vous avez des travaux que Sheila Jasanoff a développés avec un collègue coréen sur les imaginaires sociotechniques. En fait, quand on développe des recherches, non seulement on travaille et on négocie avec un certain nombre de personnes, mais aussi on parle de ces recherches en évoquant les promesses de ce que ça pourrait faire. Et ça va être particulièrement entendu par des pouvoirs publics et même par des collectifs qui s'imaginent ce qui pourrait devenir avec ces innovations. Et donc, bah, typiquement, l'atome, ça a fait fantasmer différemment différentes nations. Et donc, les travaux de Jasanoff et Kim comparent la manière dont l'atome a été nationalisé un peu aux États-Unis et en Corée, avec des imaginaires différents. Et cette idée d'imaginaire, c'est très intéressant, parce que on se rend compte que ce qui pousse des gens qui sont pas spécialistes à soutenir, voire subventionner certaines recherches, c'est beaucoup lié aux imaginaires qui peuvent être développés derrière. Alors, quand on t'a dit ça, il y a un travers possible, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le programme fort de la sociologie des sciences et des techniques, et une partie des recherches qui a été développée par l'école d'Édimbourg et qui franchit largement le Rubicon en considérant que du coup, en fait, il n'y a pas de réalité biophysique, il n'y a pas de loi, tout ça c'est complètement socialement construit. Alors moi, ça m'intéresse pas tellement de franchir ce Rubicon, parce que je crois quand même que si on veut penser que, par exemple, la gravité est socialement construite, ça veut dire qu'il faut imaginer qu'on pourrait se défaire de la gravité. Or, essayer de vivre dans un monde sans gravité, c'est quand même très dur. Donc moi, je crois qu'il y a des vraies lois. Simplement, il y a plein de lois différentes. Et dans la nature, il y a non seulement les lois de la gravité, mais il va y en avoir d'autres. Et en fonction de ce qu'on veut étudier, bah, on va cadrer les lois qui nous intéressent ou les objets qui nous intéressent et qui vont être, bah, en fonction des situations cadrées, plus ou moins sensibles à certaines lois, à certains processus biophysiques, en fait. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ce cadrage lui-même, il n'est pas non plus juste un choix des personnes qui vont vouloir travailler dessus, c'est que les disciplines nous apportent aussi un peu des garde-fous contre ce que certains sociologues comme Woolgar et Pavlush ont appelé le charcutage ontologique, c'est-à-dire quand on travaille sur un certain nombre d'objets, vérifier qu'on n'a pas pris juste la moitié d'un objet qui nous intéresse, en oubliant toute une partie, et notamment en sciences sociales, en oubliant toute une partie du social, c'est quand même très important, parce que on pourrait être amené, par exemple, à montrer qu'il y a une injustice majeure sur une partie de la société, sans se rendre compte qu'en fait, cette injustice, elle est toute petite par rapport à une très grosse qu'on a laissée de côté. Et du coup, la dénonciation qu'on peut avoir,
elle a de la pertinence vraiment de façon très limitée. Et donc ça, ce charcutage ontologique, c'est l'idée que il y a des choix qui sont faits par des collectifs de scientifiques sur la manière de cadrer les objets, mais il y a aussi des façons de faire héritées de traditions dans les disciplines qui essayent d'éviter que ça n'ait pas de sens un certain cadrage. Et donc l'héritage qu'on a dans chaque discipline a été aussi à l'épreuve du temps sur ne pas oublier des déterminants importants, quoi. C'est-à-dire que oui, en fonction de la manière dont on choisit son modèle, dont on détermine les contours, les valeurs à la frontière, on pourrait faire un peu comme on veut, sauf que il y a des savoirs sur des déterminants importants sur ce type d'objet qui font qu'il faut quand même respecter un peu les paradigmes scientifiques. Donc une façon pour moi de renouer tout ça et d'en tenir compte pour dire comment la science est située, c'est d'imaginer qu'en fait la réalité elle est un peu comme multicouche, un peu comme on voit dans des SIG, si vous voulez, où on pourrait sur un territoire mettre plusieurs couches d'informations. Et en fait, on va choisir ces couches. Évidemment, à certains moments, selon le problème, c'est vraiment embêtant de pas mettre une couche. Mais en fait, on peut varier le regard. Et la situation, c'est justement ce choix de couches d'informations. Et pour chacune de ces couches, en fait, il y a aussi un choix de catégorie. Et là aussi, le SIG, c'est assez intéressant comme image, parce que vous voyez bien que les polygones qui sont dessinés dans un SIG dépendent beaucoup de la manière dont on a qualifié les catégories. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est vrai de toutes les connaissances? Est-ce qu'il n'y a pas des connaissances qui ne sont pas situées, qui seront vraiment universelles, globales, toujours vraies? Et effectivement, plus on parle de pollution à l'heure de l'anthropocène, plus on prend un diagnostic global, plus on a l'impression qu'on est dans des lois qui en fait échappent à cette situation. Et donc je pense à un premier exemple qui est la pollution aux oxydes de soufre, ce qu'on a appelé les pluies acides. Et c'est souvent un exemple qui est pris par les gens qui sont favorables à une régulation économique des enjeux environnementaux, parce que c'est un exemple qui a marché. On a mis en place des quotas sur le soufre et ça a effectivement beaucoup réduit ces pluies acides. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, les quotas ont été pris dans des pays dans lesquels on n'avait pas démontré vraiment la causalité entre les émanations de SO2 et l'acidification des lacs d'un côté en Suède et le dépérissement des forêts en Allemagne. En fait, il y avait une sorte d'inquiétude et par précaution, la décision a été prise. Sauf que les pays qui ont pris des mesures importantes là-dessus sont pas complètement assitués. Et en fait, l'Allemagne, par exemple, qui a été une des premières à réguler ce problème, avait effectivement un dépérissement des forêts dont on n'est pas sûr qu'on puisse l'attribuer aux pluies acides. Mais on est sûr qu'elle avait une industrie qui était favorable aux pots catalytiques et du coup, elle avait aussi un gros intérêt à réguler de ce point de vue-là. Donc ça nourrit un peu la réflexion en se disant « Ah oui, mais en fait, et même on pourrait dire l'agenda, c'est-à-dire le fait qu'on ait constitué les pluies acides comme un problème, on en vient à se demander si c'était vraiment toute la population qui était intéressée par ça. Moi, j'ai eu dans mes enquêtes des gens qui m'ont dit c'était aussi à l'époque de la crise des Pershing. Et on était bien content en Allemagne de pouvoir détourner l'attention du public sur les forêts plutôt que sur la crise de ces missiles. Et donc en fait, les choses et la façon dont on comprend un problème public, même si scientifiquement on est en train de travailler dessus, l'intérêt qu'on va porter à ces connaissances dépend quand même beaucoup des situations. Et finalement, on pourrait dire aussi la même chose du GIEC, on pourrait aussi dire la même chose de l'IPBES. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de crise de biodiversité ou qu'il n'y a pas de crise du climat. Évidemment, il y a des crises. Enfin, ces phénomènes sont bien avérés, mais la manière de produire des connaissances est située, c'est-à-dire que c'est une connaissance qu'on produit à l'échelle globale. Et du coup, par exemple, pour le GIEC, on a un grand constat partagé sur le diagnostic, mais on a beaucoup de mal de transformer ça en connaissance actionnable, parce que l'action, elle va pas réussir à être à l'échelle globale. Donc, il va falloir la changer d'échelle. Et ce changement d'échelle est difficile, d'où essayer de changer d'échelle aussi le diagnostic pour essayer d'intéresser davantage. Et alors, je vous ai mis un peu pour rigoler la phrase du président « qui pouvait s'attendre ?» etc., qui a fait hurler évidemment tous les scientifiques qui travaillent sur le climat, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il y a ce problème sur le climat.
Mais d'une certaine façon, pour moi qui suis pelotiste, je n'ai pas été très étonnée parce que le quotidien de nos politiques, ce n'est pas du tout le quotidien des scientifiques. Et donc, leur rationalité, au moins les routines d'action, elles ne sont pas du tout câblées encore pour agir sur le changement climatique, pour comprendre que changement climatique, ça veut dire canicule, et pour dire que canicule, ça veut dire un certain nombre de choses. Alors, en parlant de canicule, il y a un article que j'aime beaucoup de Marc Millet de 2005, dont j'ai fait un petit epoco, c'est des petites vidéos que j'utilise pour mes étudiants. Donc, en 3 minutes, ça vous raconte l'article. Et qui raconte que quand la canicule de 2003 est arrivée, il y avait des services administratifs qui ont tout de suite repéré que ça allait arriver. C'est les services agricoles, parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut pour les calamités agricoles dans le service agricole. Donc, on peut dire que dès que les nappes sont en dessous d'un certain seuil, avant même que les plantes souffrent, le ministère de l'Agriculture sait qu'il va y avoir probablement des problèmes d'approvisionnement en fourrage. Et donc, il y a toutes les routines pour demander des dérogations à Bruxelles, pour etc. Et donc, en fait, le monde agricole a activé des solutions, mais on peut pas dire qu'il a été vraiment très surpris par la crise. Mais en fait, la canicule de 2003, elle a continué. Puis après, les éleveurs et le problème du fourrage, ce sont les rivières qui se sont réchauffées. Et là, quand les rivières se réchauffent, il y a un problème pour refroidir les centrales. Donc, le deuxième service administratif qui est alerté par les opérationnels, c'est le ministère de l'Industrie. Et lui, il est un peu plus surpris parce que ça arrive quand même moins souvent qu'on arrête les centrales ou que les centrales soient en limite, etc. Donc, mais néanmoins, on sait faire. Il y a quand même des routines qui étaient déjà existantes, c'était déjà arrivé. En revanche, ce qui n'était pas du tout arrivé, c'était qu'on engorge complètement les morgues des hôpitaux. Et on peut s'étonner que les hôpitaux aient été surpris. Parce qu'en fait, il y avait des alertes depuis assez longtemps de la part d'urgentistes qui disaient qu'en fait, les hôpitaux étaient en tension, etc. Mais sauf que, vous connaissez sûrement l'histoire parce qu'elle s'est rejouée au moment du Covid, les autorités sanitaires avaient pas envie d'entendre ces alertes. Elles étaient marquées, elles étaient politisées. Et donc, on a dit, oh, c'est encore un syndicaliste qui nous envoie une alerte. Bon, on n'a pas envie de l'entendre, quoi. Bon, et du coup, c'est un peu tardivement qu'on a réquisitionné les frigos à Rungis pour entreposer les morts de 2003. Donc, effectivement, ça a été assez marquant. Alors, on peut dire que la prochaine canicule, on sera un peu mieux organisé. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les services de santé ont appris que quand il faisait très chaud, il pouvait y avoir beaucoup de personnes qui étaient en détresse respiratoire et en surchauffe et que ça pouvait aller jusqu'à la mort, etc. Bon, des choses qui, effectivement, on savait, mais on savait pas au niveau administratif et on savait pas qu'on pouvait réquisitionner les frigos à Rungis, etc. Bon, donc, il y a un apprentissage de savoir qui fait que quand ça fait pas partie de ce que vous avez déjà activé, en fait, du coup, vous y attendez pas. Alors, les motifs environnementaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement, c'est aussi plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, ou plus exactement, plein de choses auxquelles on s'attend. Parce qu'en fait, c'est une réalité avec des contours très ambigus. L'environnement, c'est le contraire d'un smartphone. Un smartphone, c'est pas du tout ambigu. C'est-à-dire que chaque icône va toujours aller à la même application. Et cette application ne pourra être activée que par cette icône. Il y a vraiment des bijections dans tous les sens. En fait, l'environnement, c'est complètement le contraire. Si j'essaye de catégoriser, par exemple, la végétation, je vais dessiner un contour, mais vous voyez que le diable est dans les détails. Est-ce que je prends en compte le lierre qui est là? Est-ce que c'est de la végétation ou est-ce qu'en fait... vous voyez qu'il y a plein de problèmes de définition, plein d'effets de bord. Et puis, j'ai choisi de vous montrer la végétation, mais j'aurais pu vous montrer plein d'autres choses dans ce paysage. D'autant plus, je ne vous montre qu'une photo, ce qui est déjà une sélection des sens avec lesquels on peut appréhender cet environnement. Donc en fait, l'environnement, je l'aborde comme un contexte. Et ça a exactement la même ambiguïté que le contexte, c'est-à-dire que c'est pas borné et c'est sujet à plein d'interprétations. Et donc c'est un contexte avec des motifs plus ou moins fréquents. Alors qu'est-ce que j'appelle un motif? Eh bien, un motif, c'est une catégorie qui a une forme et du coup un contour. Je vous présente une petite représentation d'un tableau que j'ai choisi pour que vous ne le connaissiez pas. Il représente une liseuse devant un bouquet de fleurs. Je vais vous forcer à cadrer votre regard sur une partie du bouquet et je vais vous faire remarquer
qu'on pourrait y voir une sorte de chien à lunettes et à moustache. Voyez ? Et maintenant que je vous ai montré ça, je vous ai gâché le bouquet. Parce que vous pouvez plus ne plus voir mon chien à moustache. Vous avez sûrement fait cette expérience dans beaucoup de tableaux. Et c'est effectivement, une fois que notre regard est éduqué, est marqué, influencé, la suggestion que je vous ai faite, en fait, elle s'est incarnée dans votre mémoire, on dit dans la cognition incarnée, voilà, vous avez établi une connexion dans votre cerveau qui fait que maintenant, c'est dur de ne pas le voir. Et l'exemple le plus classique de cet apprentissage qui devient ensuite irrépressible, c'est la lecture. Tous les gens qui ont appris à lire se souviennent qu'il y a un moment où les lettres ne veulent rien dire, et puis à un moment, on peut plus s'empêcher de lire. Au point que si vous êtes insulté sur votre bureau avec un message, bah, vous prenez l'insulte et puis il y a une émotion sur cette insulte, c'est, vous n'avez pas pu vous empêcher de le lire. Et en fait, ça, c'est vrai pour toutes les émotions sur lesquelles on a mis une catégorie d'entendement. Et bon, c'est la Madeleine de Proust, c'est une odeur qui revient. Il y a un côté irrépressible dans les perceptions qu'on a apprises. Il y a vraiment le fait que on va saisir les contours, parce qu'en fait, le sens qu'on va donner à la perception, il est encodé en même temps. Et donc en fait, ces contours, ils sont assez importants et en fait, ils sont appris, ils sont acquis. Et donc, quand on parlait de connaissances situées, c'est intéressant de se dire que dans chaque discipline, on vous apprend à voir un certain nombre de choses, on vous apprend à éventuellement sentir un certain nombre de choses, mais la science se fait beaucoup par les yeux. Donc, c'est surtout une interprétation des contours dans l'environnement au sens très large, c'est-à-dire l'environnement construit et naturel. Et en fait, il y aurait pu y avoir différents contours possibles. De la même façon que moi, je vous ai suggéré de regarder un des contours, on aurait pu, dans ce bouquet, en identifier d'autres, et même en identifier certains qui sont contradictoires avec celui-là, parce que j'aurais pu couper la réalité à travers le chien, par exemple. Alors, motif au sens de forme, donc vous avez bien compris de quoi il s'agit, c'est vraiment comme quand on dit un motif dans un tissu, c'est quelque chose qui se répète, que à chaque fois qu'on va le voir, on va pouvoir mettre un nom dessus, une catégorie, voilà. Mais motif en français, ça veut aussi dire motivation, comme quand on dit « mais pourquoi donc a-t-il tué sa belle-mère ? Quel était son motif ?» Bon, voilà, motif d'action. Et c'est les deux termes qui m'intéressent parce que des motifs vus dans l'environnement peuvent aussi motiver l'action. Par exemple, dans l'histoire de la connaissance des cours d'eau, des chimistes ont observé que le long d'un cours d'eau, si de l'amont à l'aval, à un moment donné, on fait un rejet d'eau usée, eh bien, la concentration en oxygène dissous dans cette rivière, elle va profondément chuter, mais progressivement, en se déplaçant vers l'aval, on va la voir se reconstituer. Et donc, si le rejet se maintient, si vous voulez, il y a toujours une charge polluante qui arrive, mais on a l'impression que voilà, la rivière, elle digère cette pollution, si elle est essentiellement organique. Et on va parler d'un motif particulier qui est le motif d'auto-épuration, ce qui laisse entendre que la rivière, elle s'auto-nettoie spontanément. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas. La rivière, elle a des bactéries qui mangent la matière organique, mais évidemment, elles en font pas rien. Donc ensuite, c'est enrichi en éléments plus fins qui ont été décomposés, du carbone, de l'azote, du phosphore, et du coup, ça peut créer, sur la longue durée, des problèmes d'eutrophisation. Mais à l'époque de la fin 19e, début 20e, il y a plein de villes qui ont repéré ce motif et qui se sont dit, bah, il suffit de dimensionner nos rejets dans les rivières de telle sorte qu'on ne dépasse pas la capacité d'auto-épuration. En fait, cette capacité, elle dépend beaucoup de la mesure en oxygène, puisque comme je vous dis, si on mesurait l'azote, on parlerait pas de capacité d'auto-épuration. Mais on a dimensionné, dans toute l'Europe, des réseaux d'eau usée qui sont allés dans les rivières, avec cette idée qu'en fait, les rivières étaient capables de manger. Vous voyez que un motif particulier, le chemin que fait sur la courbe l'oxygène dissous, a eu des leviers d'action et a généré une action particulière. Et en fait, je pense que dans l'environnement, vous avez sûrement croisé des tas de motifs au sens de forme et au sens de motivation.
Et donc, voilà, on perçoit ces formes et ces motifs qui sont à la fois des patterns dans l'environnement, des catégories apprises, routinisées, repérables, interprétables. La zone humide, la trame verte, la ville, le gilet jaune. Le gilet jaune, c'était une invention particulièrement intéressante de ce point de vue-là parce que finalement, ça rendait visible une motivation dans l'espace public et sur les ronds-points. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était la motivation qui se transforme en forme, qui prend forme, finalement, visuellement. Et du coup, c'est effectivement difficile de les ignorer une fois qu'on les a appris à voir. C'est aussi un motif au sens de motivation dans la société. Ça peut être un motif d'intérêt, ça peut être un motif d'action, ça peut être un motif d'inquiétude, de plainte, ou un motif de satisfaction. Et alors, ce qui est intéressant du point de vue de l'environnement, c'est que l'environnement est aussi plein de formes vivantes. Et le vivant, il se déplace, il évolue, il reste pas bien dans les catégories. Et notamment dans les catégories qui ont été socialement définies et celles qui sont le plus stabilisées, qui sont les catégories du droit. Et donc, cette notion de motif environnemental m'est venue parce que je lisais dans les travaux de sciences politiques que, en fait, les institutions environnementales, elles étaient très jeunes et elles n'avaient pas réussi à se stabiliser. Puis en plus, c'était compliqué parce que le vivant débordait. En fait, le vivant, on ne peut pas vraiment l'instituer. C'était un peu ça, l'idée. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que, en fait, on arrive à l'instituer en stabilisant les catégories et en les branchant avec des formes d'action publique, des instruments d'action publique qui peuvent être des lois, qui peuvent être des catégories donc dans le code, mais aussi des contrats. On parlait des quotas sur les émissions de SO2, par exemple. C'est un instrument d'action publique et on peut imaginez donc que tous les leviers de l'action publique soient mis au service de la gestion aussi du vivant. Mais effectivement, ça a tendance à les stabiliser. Et si vous pensez par exemple au zonage pour les espèces protégées des habitats, très souvent, en fait, l'espèce, elle déborde. Donc il va falloir revoir les zonages très régulièrement. Les zones Natura 2000, elles ont des habitats qui ont été référencés. En fait, il n'y a pas toujours les espèces dans les habitats et les espèces sont pas toujours à l'endroit où on veut, etc. Parce qu'effectivement, ça évolue. Mais néanmoins, pendant un moment, ça permet de stabiliser. Et en fait, le processus de stabilisation, le fait que ce soit géré par des instruments d'action publique, c'est qu'en fait, ça a été publicisé. Ça a attiré l'attention du public à un moment donné. Alors ça, vous le savez peut-être bien, c'est que il y a plein de problèmes, y compris des problèmes qui concernent plein de gens qui ne sont pas du tout pris en charge par l'action publique. C'est pas parce qu'un problème existe qu'il est publicisé et qu'il est mis à l'agenda. En fait, je prends un exemple particulier, les pleurs des enfants, des nouveau-nés, ça c'est vraiment quelque chose qui concerne une grosse partie de la population, qui est souvent très contraignant, très embêtant, même parfois c'est pas les jeunes parents seulement qui sont embêtés, mais aussi les voisins, et pourtant c'est pas du tout un problème public. On considère que c'est votre problème à vous, et tant pis pour vous. Alors vous pourrez me dire, oui, mais ça c'est parce que c'est vraiment un problème dans la sphère familiale, il est naturellement intime ce problème. Non, parce que si vous prenez la fessée par exemple, il y a des pays où ça a été très politisé, et même en France, on a réglementé. Et donc, pourquoi dans un cas, on considère que ça concerne tout le monde, et dans l'autre cas, on considère que ça concerne... c'est parce qu'en fait, derrière, il y a eu un travail de publicisation pour dire, mais s'il faut faire quelque chose, quoi. Et en fait, il n'y a juste pas eu de mobilisation d'entrepreneurs de cause sur les pleurs des bébés. Peut-être ça viendra. Alors, un des ressorts de cette publicisation, c'est le fait que, la denrée rare, c'est l'attention du public. Le public, il va pas se motiver sur toutes les causes tous les jours. Il y a vraiment besoin d'aller le chercher en lui disant « mais si, vous êtes concerné ». Et une manière d'aller le chercher, c'est de lui dire qu'il y a des gros enjeux de valeur derrière ce problème-là. Et donc, ça veut dire la politisation. Ça veut dire qu'on va dire « oui, alors, l'auto-épuration, vous avez l'impression que c'est très technique ». Mais en fait, il y a des manières de gérer les rivières de gauche et des manières de gérer les rivières de droite. C'est ça dont il s'agit. Bon. Et donc là, on va réussir à les motiver. Il n'y a pas que la politisation gauche-droite, il y a la politisation sur plein d'autres valeurs, évidemment des questions de justice, mais aussi des questions de morale. Et souvent, on va moraliser les bons, les méchants dans ces histoires. Pour qu'un motif soit stabilisé, il faut que
au bout d'un moment, il soit sanctionné par une autorité, donc qui peut être la loi, comme je l'ai dit, qui peut être un traité, mais qui peut être la science aussi. Et on pourrait dire, ah mais, écoutez, on l'a démontré, c'est vraiment cette catégorie qui est pertinente pour gérer ce problème, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et une fois qu'on a instauré un motif et qu'on lui a donné une certaine légitimité dans l'espace public, puis qu'on l'a équipé pour qu'on le voit, parce que parfois c'est des motifs qui sont difficiles à voir et qu'il va falloir rendre visible, eh bien, ça cache d'autres motifs. Alors, je vous donne un autre exemple. Moi, je suis une spécialiste des rivières et donc, historiquement, les personnes qui se sont plus le plus mobilisées pour la qualité des rivières, ce sont les pêcheurs amateurs qui ont repéré que les rivières étaient en mauvais état, parce que les poissons mouraient, et quand les poissons meurent, ils se retournent. Comme ils ont le ventre blanc, ça se voit, c'est un motif très particulier. Et donc, depuis l' Ancien Régime, en fait, les pêcheurs ont remarqué ça et l'ont inscrit, l'ont fait inscrire dans le droit. Et c'est pénalement répressible que de tuer du poisson par pollution. Mais, une fois que ça a été pollué, bon, que la pollution a été passée, que le flux l'a emmené, que la rivière reprend vie, on pourrait dire. Alors effectivement, il n'y a plus de poissons, les poissons ne meurent qu'une fois, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pêcheurs se sont équipés pour qu'il y ait des piscicultures agréées, où on soit sûr qu'elles ne soient pas parasitées, pas malades, etc. Que ces espèces qu'on a élevées dans ces piscicultures puissent être remises dans la rivière. Et ils ont choisi une espèce qui était assez fréquente en France, qui était très prisée des pêcheurs, et notamment de l'élite des pêcheurs, c'est la truite fario. Et donc, on a énormément de piscicultures agréées en France qui, historiquement, sont venues réempoisonner les rivières après pollution. Et alors, cette truite fario, elle a eu un investissement politique de dingue, puisqu'elle a parcouru des époques à la fois la période de Vichy, mais puis avant le Front populaire, et puis après toute la période des Trente Glorieuses, comme étant le poisson vraiment bien français, indigène, sur toute la France, cette truite-là, on la trouve. Et, bah, sauf qu'en instaurant ce motif, on a caché le fait qu'il y a deux espèces de truites qui existent en France. Et dans tout le bassin méditerranéen, c'est une autre truite fario. Et donc, on a mis des truites atlantiques en Méditerranée, enfin, en tout cas, dans le bassin du Rhône, et on n'a pas vu qu'on était en train de bousculer une espèce, qu'on lui mettait une espèce compétitive. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle est tellement mal adaptée, celle de l'Atlantique, dans le Rhône, qu'en fait, elle n'a pas vraiment pris trop de ressources à l'autre. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'impact. Mais en fait, on a quand même mis des espèces dans un milieu qui n'était pas du tout adapté. On l'a pas vu parce qu'on ne percevait pas ce motif. Parce qu'en fait, on avait la même catégorie pour dire que c'était la truite fario. Vous voyez? Donc, la catégorie, elle nous masque aussi un certain nombre de choses. Alors, un exemple qui est pris chez un auteur anglais, Wine, qui nous raconte une histoire assez amusante sur les agneaux du Lake District. Donc le 26 avril 1986, il y a eu un gros accident dans une centrale nucléaire en Ukraine, Tchernobyl. Du césium radioactif a été relargué dans l'atmosphère et les vents dominants ont emmené ce nuage sur tout l'ouest de l'Europe, jusqu'en France, en Angleterre. Et sur son parcours, le césium s'est déposé, principalement à cause des pluies. Et puis, on a pris des mesures au sol. Bon, en France, on a dit que le nuage n'était pas passé, mais en Angleterre, on a reconnu que c'était passé, notamment dans le Lake District. Et immédiatement, les autorités ont interdit la commercialisation des produits agricoles. On a dit que ça allait pas durer parce qu'en fait, les particules du sol allaient piéger le césium et que ça serait, ensuite, ça passerait plus dans la chaîne alimentaire. Mais dans le Lake District, les éleveurs ont été très mécontents de cette décision et ils ont exprimé leurs doutes sur le fait que eux, ils se disaient, non, mais en fait, cette interdiction, elle va pas être levée, ça va pas s'améliorer, on nous promet que ça va durer que 3 mois, mais ça va être beaucoup plus long. Les représentants du gouvernement de Londres et des experts en radioactivité ont dû faire des réunions publiques pour expliquer les raisons de la contamination, de césium radioactif, le cycle de cet élément dans le sol. Et à la sortie de ces réunions, les éleveurs étaient très sceptiques, ils maugréaient encore qu'on leur racontait des bobards. Le printemps passa, de nouvelles campagnes de mesure de la radioactivité furent menées sur les sols des plaines et des collines. Mais si les plaines avaient été décontaminées, en fait, la faune et la flore des collines restaient fortement radioactives. Et pour comprendre les raisons de ce phénomène, les scientifiques entreprirent des expériences sur les troupeaux de moutons.
Ils ont transplanté des bêtes qui étaient élevées dans les collines en plaine et réciproquement. Mais pour que ce soit vraiment comparable, ils ont demandé que les éleveurs parquent en des lots particuliers leurs moutons et qu'on leur apporte une nourriture comparable. Ce à quoi les éleveurs ont dit que c'était impossible parce que les moutons des Landes, eux, ils voulaient pas être parqués. Et que si on les parquait, ça allait les stresser, que du coup, ils mangeraient rien et que du coup, ça allait fausser complètement l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, les agneaux, ils ont pas mangé. Ceux qui venaient des collines, ils étaient stressés. Et du coup, on n'a rien pu conclure. Et du coup, on a continué à interdire la commercialisation des agneaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple, il y a un cadrage de chacune des disciplines. Donc, les experts qui viennent, ils ont une connaissance du césium, ils ont une connaissance des limons, mais en fait, ils n'ont aucune expérience et de connaissance sur l'élevage. Et avec ces autres catégories de l'élevage, on pense la comparabilité de façon complètement différente. Et là, vous retrouvez ce que c'est qu'une connaissance située. C'est une connaissance qui fait des différences entre des choses, alors que quelqu'un d'autre considérera que c'est la même chose. Des moutons en haut, des moutons en bas, c'est les mêmes. En fait, les bergers savaient aussi que la teneur en césium radioactif pouvait ne rien avoir à faire avec Tchernobyl, mais avec le dysfonctionnement d'un ancien réacteur d'une usine nucléaire à Windscale, qui en 57 avait pris feu et s'était consumé pendant plusieurs jours avant que les pompiers n'interviennent. Il y avait eu des mesures de radioactivité dans la zone, mais on n'en avait pas informé les médias, notamment parce que les éleveurs souhaitaient pas que ce soit diffusé, parce que ça aurait limité la commercialisation. Et donc, plusieurs se sont dit, si ça se trouve, c'est retombé, c'est pas ce passager, et c'est peut-être l'événement de 57 qu'on mesure aujourd'hui. Et on a pu ensuite mesurer qu'effectivement, il y avait deux formes de césium, et on pouvait faire la différence si on la cherchait, mais on l'avait pas cherché. Dans la zone que vous voyez là, en fait, on voit un motif, le contour de ce qu'on mesure en termes de radioactivité dans les retombées atmosphériques de Tchernobyl. Et en fait, dans les mesures de terrain, ça coïncide pas complètement. Et notamment, il y a un endroit où ça coïncide pas du tout, c'est sur la petite péninsule qui est là. Vous voyez que c'est très, très, très concentré, alors qu'en fait, le nuage de Tchernobyl n'est pas passé. Les catégories, c'est des formes dans l'environnement, et la manière dont on catégorise permet ou pas de faire des causalités même qui vont être différentes. Alors, j'ai rencontré récemment un collègue sismologue au CNRS qui s'appelle Guy Sénéchal, qui me racontait que c'est assez difficile d'être sismologue parce que on vient faire des tas de mesures avec des sismographes dans des lieux, et puis on n'a pas vraiment envie de communiquer sur les données qu'on voit ces jours-là, parce qu'en fait, on voit rien. Et puis, il y a un moment, on voit quelque chose, et là, il faut dire aux populations, vous avez 2 heures pour partir, et les populations disent, c'est qui ce gars? Et donc, la connaissance située du sismologue lui a posé question, et finalement, il a imaginez un protocole que je trouve assez chouette, c'est qu'en fait les sismographes, il les a mis dans les mairies, et puis à chaque fois qu'il vient, il demande à ce qu'il y ait un encart dans la mairie qui dit « le sismologue viendra, rencontre libre ». Et du coup, il raconte que il n'y a pas toute la population qui vient, il y a 2-3 personnes, souvent des jeunes, qui disent « je peux appuyer sur le bouton ?» Et finalement, le jour où il dit « il faut partir », il y a des jeunes qui disent « ah, c'est le sismologue ». Et ça change tout, parce que c'est quand même quelqu'un qui a montré qu'il s'était investi là, qu'il les prend pas de haut, qu'il a communiqué. Et finalement, le lien entre le motif forme et le motif action se rebranche ensemble assez bien, et de façon en tout cas plus légitime. Et d'une certaine façon, c'est une forme d'engagement et de situation un peu différente, même s'il garde ces mêmes catégories. Peut-être le dernier exemple que je vous donne, c'est sur mes propres travaux. J'ai comparé la recherche qui s'est faite sur la Seine et la recherche qui s'est faite sur le Rhône à des époques semblables et avec le même type de financement. En fait, le CNRS et le ministère de l'Environnement ont décidé, dans la fin des années 70, qu'il faudrait mettre un effort pour mieux connaître l'écologie des fleuves, parce qu'en fait, on venait de passer 2 chocs pétroliers, donc il y avait un renouveau du nucléaire très très fort, et quand on met en place, enfin quand on met en service une centrale nucléaire, on met sur le réseau une grande quantité d'électricité. Or, si la demande n'est pas encore au niveau de l'offre, il va falloir ajuster le... Et donc l'ajustement, il se fait souvent par l'hydroélectricité. Et donc, sans se tromper, ces deux
organismes ont imaginé que effectivement on allait à la fois relancer le nucléaire et l'hydroélectricité et que notamment sur le Rhône, on avait d'abord rééquipé ceux qui avaient la plus grande puissance, puis ensuite les chutes qui restaient étaient moindres. Aujourd'hui, on avait beaucoup moins de chutes rentables, mais que quand même, on allait probablement équiper ces dernières chutes parce que ça allait être un enjeu important pour le nucléaire. Et du coup, que probablement, on perdrait des habitats importants. Et donc, il fallait documenter ça. Sur le Rhône, il y a autour de Lyon toute une communauté de chercheurs qui s'empare de cette proposition et qui dit « bah oui, on va faire un Pyrène Rhône, un programme interdisciplinaire de recherche et d'environnement sur le Rhône ». Et ils vont produire des cartes avec des motifs très très beaux, vous voyez, qui sont l'histoire sédimentaire, mais aussi floristique, de ces launes, les launes du Rhône, donc c'est-à-dire ces zones inondables autour du Rhône. En fonction des plantes qu'on trouve, on peut retracer l'histoire. Et est-ce que ça a été une sédimentation progressive qui est progressivement est devenue imperméable et en déconnexion avec la nappe, ou bien est-ce qu'il y a eu des inondations qui ont décapé ces limons et que du coup on trouve des espèces qui sont en lien avec la nappe, etc. Et donc finalement, ils vont se faire porte-parole du Rhône et ils vont réussir à négocier avec la CNR le fait que le dernier barrage se fera pas. Et donc ils acquièrent une certaine visibilité. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que cette mise en modèle n'a pas fait école. C'est pas ça qui s'est développé du tout sur la Seine. Sur la Seine, d'abord, il n'y a pas de potentiel hydroélectrique, très faible. Il y a une station nucléaire à Nogent, mais en fait, l'enjeu qu'on risquait d'équiper des chutes, comme il n'y a pas beaucoup de chutes sur la Seine, il n'y avait pas un gros enjeu. Et finalement, en 79, il n'y a pas de Pyrène-Seine. Et il n'y en aura pas en début 80. Mais à la fin des années 80, le système des agences de l'eau en France va être audité par un haut fonctionnaire de la Cour des comptes, Michel Rocard, qui dit « Oh, les agences de l'eau, c'est vraiment super, c'est un système qui marche super bien. Moi, je défendrai le programme des agences de l'eau. » Puis en 89, il devient Premier ministre et les agences de l'eau se disent « C'est super, on va pouvoir doubler notre budget. » Parce qu'en fait, on a des gros enjeux. Au niveau européen, ils ont mis des normes d'épuration qui sont beaucoup plus sévères. On va avoir vraiment besoin de beaucoup plus d'argent, donc on va augmenter les redevances et tout, et on va être soutenu par Bercy alors qu'on l'était jamais. Et effectivement, Michel Rocard dit « Vous pouvez doubler le budget des agences. » Wow, donc, grand changement. Leur gros projet, c'est qu'ils vont doubler la superficie d'Achère, qui est la station d'épuration à l'aval de Paris. Et il se trouve, comme sur la photo, qu'il y a un coteau, et puis là, il y a une ville, et c'est Conflans-Sainte-Honorine. Ça tombe pas bien, parce que c'est juste la ville dont était maire Michel Rocard. Et s'il y a un engagement qu'il a gardé, c'est de pas doubler Achère. Donc il dit, oui, les agences, vous pouvez doubler, mais non, vous pouvez pas faire Achère. Et du coup, il y a tout d'un coup un gros budget qui peut pas être dépensé là où on pensait qu'on allait le dépenser. Il faut redéployer l'effort de dépollution et du coup, on va créer le Pyrène-Seine pour cette occasion. Mais là, comme le problème sur l'agenda politique est complètement différent, on va pas faire venir des écologues qui connaissent les plantes et qui savent quel effet va avoir un barrage. On va faire venir des gens qui sont plutôt des chimistes de la pollution et qui vont modéliser les flux bactériens et chimiques sur la Seine. Et donc, on a une communauté de chercheurs qui, on pourrait dire que la Seine a choisi ses chercheurs, d'une certaine façon, parce que la communauté sociale autour de ces enjeux était assez différente, les questions étaient différentes, et du coup, les modèles qui ont été développés sur la Seine n'ont rien à voir avec les cartographies du Rhône. On a modélisé l'hydrologie, l'hydraulique, la biogéochimie, et on a pu planifier les ouvrages en disant, selon l'endroit où ils vont être plus ou moins efficaces par rapport à l'effort de dépollution qu'on doit faire. Et du coup, on n'a pas modélisé la biodiversité, on a modélisé éventuellement certaines formes de biodiversité, mais très génériques, c'est-à-dire les diatomées, parce que ce sont les algues qui contiennent de la silice, le microplancton, parce qu'il est capable de fixer de l'azote et de générer de l'oxygène, et les bactéries qui, elles, digèrent la matière organique. Et le bon état, c'est la bonne distribution des stations d'épuration, c'est notre conception du bon état. Je conclus juste pour vous dire que, voilà, les motifs, c'est l'idée que l'environnement, en fait, on pourrait le catégoriser de façon très différente. En fonction des catégories qu'on retient, eh bien, on peut établir ou pas des causalités objectivées par certaines sciences. Et en plus, ça va être repris ou pas par la société selon une politisation des motifs
qui peut prendre des formes diverses. Alors, je vous en donne six formes un peu stylisées. Il y a une forme de politisation des motifs qui consiste à cristalliser ces motifs, un peu comme on dit en littérature, la cristallisation, c'est le fait de dire vraiment qu'une émotion, elle était très singulière. Donc, on peut monter certains motifs en singularité. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le Rhône. Le Rhône était tellement exceptionnel, c'est l'Aune était tellement particulière que ça a pris pour les Rhodaniens, ça a eu du sens que de vraiment identifier ces l'Aune. On peut aussi simplement mettre en visibilité un motif. Et c'est amusant parce que dans la littérature en sciences politiques, mettre en visibilité, c'est un mot qu'on utilise très très souvent. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les motifs visuels. C'est mettre en visibilité, ça veut dire parler. Et en fait, c'est un peu dommage parce que c'est pas tout à fait la même chose, la perception et la représentation. Évidemment, quand on perçoit, on a aussi les représentations. Mais on voit bien que si c'est que des représentations, le fait que ça existe en vrai joue pas. Or là, mettre en visibilité, distinguer un motif, en fixer les catégories, rendre ces traces perspectives, ben en fait, ça donne des ressources pour les acteurs qui vont être capables de le voir aussi sur le terrain. On pense par exemple à la pollution qui tue des poissons qui se retournent et qui deviennent blancs. Ben, c'est une mise en visibilité qui va aider parce qu'effectivement, à chaque fois que ça va se produire, ça va se voir. Et donc ça, c'est quand même assez important. On peut aussi politiser au sens classique un motif en montrant qu'il s'aligne sur des valeurs et des intérêts. Donc, je vous ai parlé de la truite, de l'auto-épuration. On peut aussi stabiliser un motif en associant ce motif à une politique publique ou à un instrument d'action publique. Avec ce qui va se jouer à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une coproduction. C'est-à-dire qu'on va à la fois stabiliser le motif, la catégorie, la science, la connaissance, et à la fois un certain ordre social qui va vivre avec ce motif. Je pense par exemple au zonage qu'on fait pour dire où doivent se faire les efforts de lutte contre l'eutrophisation. Et bien derrière, il y a aussi toute une manière dans ces zones sensibles de gérer différemment les effluents agricoles, par exemple. On peut écologiser un motif. Par exemple, on peut ce qui veut dire qu'on peut imputer une cause ou un effet écologique à un motif. On pourrait avoir un motif qui n'est pas écologique en soi, qui est peut-être un registre patrimonial, par exemple. Et puis, tout d'un coup, on va dire, non, mais ça pose problème écologiquement. Par exemple, c'est ce qui s'est produit avec les seuils de moulins. Seuils de moulins, c'était une catégorie pour le ministère de la Culture qui éventuellement classe des moulins pour leur intérêt patrimonial. Mais c'est vrai que ces seuils qui permettent de faire une réserve d'eau qui ensuite alimente le moulin sont des barrages au franchissement d'espèces migratrices. Et donc, à un moment donné, on a écologisé ce motif en disant qu'il n'était pas désirable. Et puis, on peut mettre en invisibilité un motif, comme ce qui est arrivé à la truite méditerranéenne, qui, parce qu'une autre catégorie, implicitement, était censée la prendre en compte aussi, bah, finalement, l'a masquée. Donc voilà, la science est située. Les scientifiques sont situés dans une histoire disciplinaire qui a ses motifs. L'observation et l'expérimentation est située dans un contexte social avec ses motifs, ses motivations. Et puis, les résultats de la science vont conforter ou affaiblir certains contours parce que, comme justement, en fonction des catégories qu'on a choisies, on établit plus ou moins des déterminants, des forçages, des causalités, eh bien, il y en a certains contours avec lesquels on ne peut pas faire grand-chose et qu'ils ne vont pas tenir. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont identifier des formes gouvernables qui vont avoir un certain succès. Je vous remercie. Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio. Le lien est en description.